DJ dans sa maison disque, chez Philips, chez Phonogram, chez Polygram, chez Universal et chez VR. Il s'occupait de tout ce qui était artistique, nous on le voyait dans les loges. Quand Johnny a produit le groupe AMX, c'est-à-dire le groupe qui est composé pas mal de copains qui sont ici sur scène, il nous a confié à ce monsieur. Il lui a dit, je veux que tu fasses de ce groupe comme si c'était pour moi. Ensuite, ce monsieur a monté une agence qui s'appelait Pasco et Antonietti. Et il a fabriqué les pochettes, les affiches de tous les spectacles de Johnny. Donc ce monsieur est très important dans la vie artistique de Johnny Hallyday. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Claude Pasco, s'il vous plaît. Bienvenue ce soir, nombreux. Je voulais souhaiter aussi bienvenue à ces musiciens qui sont devant vous. Vous avez peut-être un des meilleurs orchestres de Johnny Hallyday là, regroupé. Donc il va falloir leur faire une ovation. Alors, je voulais simplement vous dire ce soir, ça a été un grand plaisir pour moi de travailler avec Johnny pendant près de 30 ans, dans l'ombre. Mais croyez-moi, c'était une grande lumière, ce monsieur. Et d'autre part, Johnny, Jean-Philippe Smet nous a quittés, mais je pense que Johnny Hallyday est toujours là et dans nos cœurs. Alors ce soir, on va lui rendre hommage, et je me permettrai de temps en temps de venir vous faire quelques petits commentaires. Le minimum, rassurez-vous, je ne suis pas chanteur, et je chante très faux. Mais bon, l'oreille est meilleure. Bonne soirée. Francky, à toi. Merci Claude. Claude Pasco, messieurs là. Je suis un rock and roll.